Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est le fermier de Schnorr, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 de la ferme Le Shizu. Donc, la dernière fois, on s'était laissé donc sur l'arrivée des sacajous capucins, il me semble que c'est comme ça. Hop, bah voilà, récompense quotidienne, j'ai regagné 100 crédits de conservation. Hop, on va aller là et on va le reprendre. On avait donc adopté 9 capucins. Non, pas 9 capucins. On avait adopté à peu près 7-8 capucins. On avait fait leur enclos bien correctement, etc. N'hésitez pas à aller voir la vidéo d'ailleurs. J'essaierai de vous mettre le petit en haut. Donc voilà. C'était laissé donc. On s'en fout. Sur ces petits singes là, donc voilà, on avait fait quand même un enclos assez conséquent pour qu'ils puissent bien se déplacer, etc. Et avant de terminer la vidéo, j'ai acheté des gnous noirs qui sera donc la prochaine espèce que je vais mettre en route tout de suite dans le zoo. Inspectrice y arrive dans 10 mois. Ok, juste avant, on va regarder qu'est-ce que ça donne au niveau de la recherche. Recherche de niveau 5. Donc on peut peut-être améliorer leur repas, non. On va regarder si on n'a pas d'autres optimisations. Boîte à fourrage, ça je l'ai mis. Ça je l'ai mis. L'arroseur, il n'y en a pas. Je vais en mettre un là. On s'en fout de ça. Canard, je l'ai mis. Ça, on s'en fout. Petite balle glacée. Elle y est. Poteau à fourrage, ça, il n'y est pas. Ça, on peut le mettre et après c'est tout. Alors ça dans la paramètre, on va mettre ça. Hop, voilà. Moi je pense que ça a pu nous embêter. Donc on va faire une seconde clôture pour les gnous. Par contre j'ai pas regardé au niveau de la zoopédie qu'est-ce que ça dit pour les gnous noirs. Alors, préoccupation mineure. Alors, il faut 410 mètres carrés avec une clôture de plus de 1,25 m de niveau 2. Là, il faut. Ah, il faut qu'un mâle dans l'enclos. Taille du groupe de mâles. Ah, purée. Recherche vétérinaire. Je regarde s'il n'y en a pas dans les échanges d'animaux. Filtre. Gnou noir. Là. Confirmé. Alors, je vais adopter des femelles. Hein. Je vais revendre les mâles, tant pis. 2, 3, 4. 5. Sachant que j'en avais déjà une, il me semble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah bah non, c'était que des femelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 femelles, un mâle. Ça c'est bon, ça marche. Salut, le client. Donc, bah c'est pas grave, on va mettre la clôture. Ah, je pensais que j'avais que des mâles. Merde, j'aurais dû vérifier. Va faire un truc assez grand. Que si on veut mettre d'autres espèces avec, ça puisse bien se passer. Hop là, Mercedes. Alors, est-ce qu'elle est tombée enceinte? Mercedes. Impeccable. On aura un bébé, ça passe joue dans très peu de temps. Donc, aussi, clôture, faut que je mette une porte pour le staff qui puisse apporter les animaux et qui puisse venir réparer, leur donner à manger, etc. Hop, tac, tac. Hop, voilà. Bon, ici, je vais habiller avec des arbres par la suite. Donc, échange d'animaux. Est-ce que je les avais envoyés en quarantaine? Je ne pense pas. Envoyés dans le zoo. Hop, on a envoyé 9 gnous en quarantaine. On a le temps de modifier la clôture en attendant. Donc là, on va mettre avec des vitres. Là aussi, on va dupliquer ça. Un ici.
un ici. Et un ici. Pour l'instant, on peut rien mettre. Et je vais aussi dupliquer le truc comme ça. Alors, je vais le mettre ici. Pour l'instant, je vais mettre aucun. Voilà. Donc, ils vont tous tranquillement chercher les animaux. Ils viennent tous se nourrir de ce fait. Peut-être remplacer les boîtes en carton bientôt quand même. Hein. Et là, mais il n'a pas versé quelque chose. Donc il l'a mis là-dedans. Non. Là. Non plus. Tout se nourrir, c'est le principal. Zone de quarantaine pleine. Bah, faut attendre. Faut attendre. Je vais déplacer lui ici, comme ça. Voilà, notre premier gnou noir qui arrive. Donc, Teba. Première femelle du groupe. Comme toi, Roger, ça va aller. Et quoi, elle fait... Ils sont bizarres. Donc, dans terrain, texture... un plus grand cercle parce que l'enclos est quand même assez conséquent. C'est pour au cas où je vienne greffer d'autres espèces avec eux, et je pense que ce que je vais faire, je vais tout de suite développer cette zone là avec plusieurs autres espèces, style girafe réticulée, etc, etc. Je pense que voilà, ça peut être pas mal. Donc là il faut un peu de terre, ça peut... C'est rien, c'est le minuteur. Ça, je viens claquer quelques zones. Ça fait un peu zone de passage. Si je vais faire une plus grosse zone. Encore 4 animaux qui peuvent venir se greffer. Normalement, le mâle, il est parmi tous ceux-là. Je pense que c'est lui. Non, ça doit être lui alors. Voilà. Aux batailles. Alors, nombre de visiteurs. Ça c'est fait. Quarantaine terminée. L'animal est prêt à sortir. C'est bon. Ils vont tous arriver ici. Nombre de visiteurs pense que le prix du billet est bon marché. Bon, 2 petites secondes. Je finis de faire ça. Alors, texturé. Herbe longue. Alors, faire une petite partie herbe longue là devant les vitres. Il gueule beaucoup à côté là. Là, je vais mettre 6 et les enfants, je vais mettre 4. Voilà. Alimentation sociale, habitat, abri solide. Donc, si je vais dans habitat, que je tape. Nous déjà on pourra peut-être mettre des... Non pas encore. J'allais dire des optimisations, mais il y a l'air qu'on ne peut pas. Pas encore en tout cas. Abreuvoir, c'est qu'un petit. Ça plaît pas beaucoup ça.
c'est nul ça, je vais faire mon propre truc. Si je suis quand je vais dans le terrain. Je vais lisser le bord. Tac, au calme. Voilà, comme ça ils pourront boire tranquillement. Alors, recherche vétérinaire terminée. Et recherche mécanique terminée. Voilà. Ça c'est bien. Comme ça, si je vais dans Habitat, il y aura peut-être de nouveaux abris pour les animaux. Ça c'est trop petit. Ça aussi. Ça aussi. Ah bah non, voilà. 8 par 8. 12 par 12, ça irait peut-être mieux pour les gnous. C'est vrai que c'est un peu plus gros. Alors qu'on viendra peut-être mieux. Tac, on va mettre un petit peu de tout ce qui est. Tout ce qui est paille, etc. Alors, on va mettre un paille. On va mettre un grand. Voilà. Je pense que déjà là, c'est pas mal. Et on va mettre aussi quelques arbres. Pour habiller, alors Afrique Prairie, filtre continent Afrique, biome Prairie. Voilà, comme ça on va leur mettre quelques petits arbres. D'occupation non plus, sinon ça ne leur plaît pas. Voilà, on va au pire mettre quelques orties. Hop, voilà, ça fait déjà un peu plus habillé. Puis ça leur correspond un petit peu mieux. Voilà, voilà, on va juste mettre ça en route aussi. Tac, gnou noir. Tac, gnou noir. Alors, je tourne cet épisode le lendemain de l'autre. Donc, j'ai pas encore vu les résultats de celui qui est sorti la semaine dernière. Donc, samedi, il sera sorti samedi dernier de ce fait. Donc je sais pas si la série vous plaît, mais voilà, j'aurai peut-être pas trop de temps cette semaine, donc j'ai tourné un petit peu à l'avance. Alors, est-ce qu'ils se plaisent? Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Alimentation, ils sont pas encore nourris, c'est pour ça. Est-ce qu'ils sont confiants avec les humains? Relation avec les humains neutre. Oh, bah une autre récompense. Impeccable. Et les recherches vétérinaires terminées pour le capucin. Je vais envoyer donc quelqu'un d'autre faire la recherche sur le gnou. Ah, on va regarder le petit capucin. Qu'est-ce que ça donne? Devrait pas tarder à accoucher. On va regarder ce que ça donne un bébé capucin. Un petit bug du jeu. Voilà, il a retrouvé son nez. Et voilà, donc on a notre premier bébé Sapajou Capucin qui s'appelle Felipe. Voilà, un petit bébé. Bon, c'est le même que les adultes, mais en plus petit en soi. C'est le même. Bon, voilà, première naissance du zoo.
On attend plus que les gnous maintenant. Zo, les recherches pour eux, c'est bon. Qu'est-ce que... Par contre, c'est bizarre qu'ils soient pas plus nourris. J'essaierai de regarder pour faire un autre soigneur. J'en rends les deux. Voilà. Bon, maintenant dans le parc, je vais créer une petite zone pour les stands de nourriture, etc. Donc, je pense que je vais faire aller. Je vais renvoyer une allée un peu moins large par là. Ici, là. Comme ça, au pire des cas, je vais même remettre des petites fenêtres ici. Je suis peut-être un peu loin. Je vais rapprocher l'allée et je vais remettre des fenêtres à l'enclos des sapajous. Comme ça, les gens pourront regarder les singes de chaque côté. Alors, modifier l'enclos. Là, je vais remettre une vitre. Voilà. On va dupliquer une télé. Tac. Qui reparle du sapajou. Et on va mettre... Ah ouais, les boîtes à dons que j'ai pas mis. Si, il y en a une là. Je vais la dupliquer. Je vais en remettre une donc ici. Une ici. Et une ici. Voilà. Ça devrait normalement être bien. Donc, on va faire une petite aire pour que les gens viennent se nourrir. Donc, si on va dans service. On va dans service visiteur. Qu'est-ce qu'on a au niveau du stand de boisson? Là, c'est les stands de base. Bah, je vais mettre ça. Je vais juste faire une petite allée par là. Je vais la mettre en 4 mètres. Ensuite, je vais faire aligner sur gris. À partir d'ici. Pour que les gens aient une petite aire pour venir manger, je mettrai des tables, tout ça par la suite. Il faut que je les aurai débloquées parce que je pense que là pour l'instant elles sont pas débloquées. Et donc là je vais mettre un chief beef. Ah, pas d'électricité peut-être. Là je vais remettre un Glumpy. Je vais leur mettre un Looney Balloon. Et en information, je vais leur mettre un guichet d'information. Ça peut toujours servir. Hop là, voilà. T'es pas passé à coupler. Est-ce qu'on aura un bébé? Non, ce sera pas encore pour cette fois-ci. Pas d'électricité pour ce service. Il est vraiment à la limite. Donc si on va dans service utilitaire, transformateur. Je vais essayer de le mettre à l'abri. Alors prêt, mais à l'abri du regard des visiteurs. Il est très peu caché là, mais c'est pas grave, je vais déjà mettre une allée. Employé. Voilà, déjà les gens ils viendront moins ici. Donc ensuite si on va dans service, banc, poubelle, etc. On va mettre des petites tables de pique-nique. Aligné sur l'angle, alignement sur position. Bon, je suis pas un pro du droit, donc on verra bien comment. Comme
ça, les gens qui viennent manger, ils peuvent s'asseoir sur les tables. Qu'est-ce qu'ils font? Voilà. En même temps que manger, tout ça, ils peuvent venir regarder les animaux. Donc voilà, voilà, je vais rechercher si on ne sait pas directement mettre une deuxième espèce avec les gnous. Je pense que voilà, il y en a assez avec ce qu'on a là. Alors si on va dans la zoopédie et qu'on regarde les bonus inter-espèces. On pourrait essayer de mettre des gazelles de Thomson. Je pense qu'elles sont pas très... Un mâle 35 femelles, relation avec les humains timides. Alors, what chiant, habitat 1. A vu Raphaël, a vu Ayomi, service éducatif 1. Ça c'est toujours comme ça, je ne comprends pas pourquoi. Par contre, ça serait bien qu'il y ait un soigneur. Ah ouais, il arrive mettre à manger. Hop, voilà. Habitat. Toujours sur le nous, on va venir mettre une petite boule à fourrage ici. Et peut-être qu'on s'est déjà passé leur repas au niveau 2. Ouais, voilà. Pour l'instant, c'est que du foin. Peut-être essayer de mettre. Ça. Je vais la dupliquer et je vais en mettre une ici. Et je vais faire pareil pour le centre de recherche. Et du coup, au niveau du personnel, je vais rembaucher un soigneur. Je vais en prendre deux. Je vais en prendre un vétérinaire. Parce qu'au niveau des charges de travail, voilà, ils ont beaucoup de charges de travail. Il y a un mécanicien qui a beaucoup de travail, donc au pire des cas, j'en refais. Et les vétos, hop, je vais enrouler aussi. Je vais reprendre un ou deux mécaniciens. Voilà. Comme ça, quand on va dans recherche vétérinaire. Ah, il y a encore un truc supplémentaire. Ah voilà, j'ai un gnou. Qui est gestanteux. Donc au niveau des espèces. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Les éléphants, peut-être pas tout de suite. Pas de salle de personnel ayant de la place. Toi, t'es quoi, Nestor, toi? T'es un soigneur. Ouais, allez, pour le soigneur, je vais en mettre une. C'est vrai que... clac. Paf. Oh merde, j'ai oublié de mettre les poubelles. Poubelle banc. Mettre poubelle tout court. C'est vrai que j'ai complètement zappé d'en mettre. Ça fait beaucoup de bruit. Je pense que plus tard je vais mettre des recherches pour que ça soit évité. On va placer aussi des caméras de sécurité. Hop, voilà. Donc je vais y arriver à placer mon espèce. Les lions, on va éviter. Et ils sont chers. Pourquoi ils sont aussi chers? Il y en a beaucoup à vendre en plus. Mmh.
chercher moi-même l'espèce. Alors, on va essayer de voir s'il n'y a pas des hippotraques noirs. Peut-être que l'échange d'animaux a planté. Bon, il n'y en a pas. Ah, problème de connexion. Vous êtes hors ligne. Serveur de la franchise, vérifiez votre connexion Internet. Bah écoutez les amis, je relance le jeu et puis on se retrouve juste après. Bon, re les amis, alors bon, vous allez peut-être le voir que c'est pas le même jour, mais voilà, on revient donc sur cette partie. J'ai eu au moment de tourner, après avoir eu mon bug de co, j'ai tourné, le jeu a crash. Donc voilà, je suis en train de retourner la séquence actuellement, c'est pourquoi vous avez peut-être vu que j'ai changé de tenue. Il me semble qu'on s'était arrêté donc voilà sur l'arrivée des gnous et qu'on avait des buffles d'Afrique en attente. Voilà. Donc voilà, vous avez vu Pasteur, voilà. Donc on va tout transférer ici, envoyer dans le zoo. Hop là. Et Fernando, on va l'envoyer ici. Je sais pas pourquoi il est là d'ailleurs. Mais bon, voilà. Donc on s'était laissé donc voilà sur la petite construction d'une aire pour les gens manger. Voilà, manger, souvenir, point d'information. Donc voilà, on va attendre que les buffles arrivent. Et puis pourquoi pas voir après pour l'optimisation des animaux. Déjà là ils sont en qualité 2 si on fait habit. On tape buffle. Non, pas buffle, gnou. Gnou. La. Merde. Il me semble que la boule à fourrage, elle est déjà mise. Voilà. Par contre, il n'y a pas de ballon de foot. Il n'y a pas la boule de neige. Et après, tout le reste, on a. Voilà, après au niveau des sapajous, qu'est-ce qu'on a? Qualité de nourriture. Hop, on va passer en 3. Si on regarde dans l'habitat. Stop capucin. Putain, à chaque fois je me fais avoir. Donc, y a peut-être ça qui a pas été mis. On va le mettre. Ça, ça a été mis. Le bac au bloc de glace. Ça c'est une petite balle. Le bloc a pas été mis, je pense. Ça a été mis. Ça a été mis. Mobile de miroir pas été mis. Synthétiseur non plus. Ça a été mis. Après, ça c'est des plateformes d'escalade. Pourquoi pas en mettre une ici quelque part. Voilà des petites plateformes. Les gens peuvent venir les observer. Donc voilà, donc les buffles ils sont arrivés. Bon, ça a l'air d'aller pour l'instant. Nouveau visiteur pense qu'il est bon marché. Alors, on va faire 8 et 5. Voilà les buffles pour le moment, ça a l'air d'aller à part l'optimisation alimentaire. Mais bon, ça. Ça va arriver au fur et à mesure. On va pourquoi pas regarder pour d'accord pour une nouvelle espèce. C'est vrai que ça peut être intéressant si on regarde un petit peu la zoopédie. On n'a pas un défi. Est-ce qu'on a un défi vivarium? Adopter des espèces de vivarium. Donc pourquoi pas regarder si on fait zoopédie. Pourquoi pas essayer de faire des serpents.
C'est vrai que ça peut... Alors on va prendre une femelle, un mâle. Ensuite pareil, une femelle et un mâle. Donc service, on va construire des vivariums ici. Comme ça les gens pourront venir. Pas de salle de personnel. T'es quoi toi Nanette? Ah ouais, c'est des vendeurs. Donc si on va dans zoo personnel. On va reconstruire une salle de personnel tout de suite. Eh bien il y en a déjà deux. Ils sont pas... T'as encore une troisième? On va faire beaucoup de salles là. Les animaux 7. L'animal est stressé. Du stress, bah pourtant il est quand même assez caché. Bon, ça va peut-être partir. Donc, service. Donc, vivarium. On va le taper là. Vivarium. Ah, j'ai pas assez de sous. Si. Voilà. On va en mettre deux. Là, pourquoi pas ici quelque part. Visiteur VIP. C'est moi-même, je peux pas me saluer. C'est moi-même. Hop, recharge veto. Sur le gnou noir. Ouais, il est encore en train de faire la recherche avancée. Est-ce qu'ils ont pas à manger ? Un soigneur. Je pense que je vais reconstruire une cabane de soigneur à partir des services. Voilà. Fond insuffisant. Monsieur. Voilà. Ça, les soigneurs pourront revenir. Et donc ici, si on va dans échange de vivarium. Déjà les deux anacondas, on va les envoyer ici. On va prendre les deux bois constrictors et on va les envoyer ici. Voilà. Bon, le zoo commence à bien se former, je suis content. C'est vrai que on arrive quand même à bien avancer. Est-ce que pas que je le fasse de là, je le fasse d'ici. Voilà, tac. On met anaconda jaune. Ici aussi. Bois constrictor. Pardon madame. Et là aussi. Donc ensuite, dans les habitants, on va faire les petits réglages. Donc il faut plus chaud. Je vais mettre 26. Humidité, on va passer à 61. Oh. 28. Voilà. Et celui à côté, qu'il faut, je pense, 26 degrés. Par contre, beaucoup plus humide. Hop, voilà. Bon, nourriture, c'est fait. Vivarium, c'est fait. Donc voilà. 16 problèmes d'animaux. Purée.
ils sont si stressés. Donc là on va remettre Gnou. Hop, le tonneau mangeoire. Falloir que je fasse la recherche pour 3 visiteurs, je pense que c'est bon marché. On va passer à 10. 10 et 7. Hop, voilà. Alors on va regarder juste au niveau des recherches mécaniques où ça en est. Recherche actuellement pour les zones d'escalade. On va en envoyer un second en clôture. Service, un atelier, donc clac, atelier, atelier, hop, voilà, voilà, pardon, encore bon marché, 15, 10, oh, voilà. Des bébés gnous noirs. Pourquoi il a posé? Ah, c'est la boule à forage peut-être. Ah, ça doit être ça. On va regarder la naissance du petit gnou et puis on va se laisser là pour cet épisode, les amis. Voilà, qu'est-ce que j'avais tourné la dernière fois et ce que j'ai tourné là, je pense qu'on est voilà facilement à. À une demi-heure, ça va très très vite. Voilà, je vais pas non plus te faire des épisodes trop longs pour que ça vous plaise pas. Après, ça ne sert à rien. Voilà. Essence imminente. Elle va se recoucher. Là, il va arriver. Hop, voilà. Naissance du petit bébé. De Caldin. Caldum. Voilà. Un petit bébé gnou. Voilà, première naissance gnou du zoo. On pourra, pourquoi pas, par la suite, relâcher dans la nature. Hop, donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, recherche vétérinaire. On va juste regarder, voilà, les deux trucs, changements qu'on a pu avoir. Truc d'escalade, ça c'est bien. Est-ce que le manifestant, bah écoute, ils vont partir de toute façon. Voilà, plus de manifestants. Donc, allez, cassez-vous, bande de victimes, là. Par contre, tout à l'heure, près des anacondas, j'ai pas remis de boîte à dons. Voilà, dupliquer.
On va en mettre une. Voilà. Une ici. Et une de l'autre côté. Voilà. Anaconda, ça a l'air d'aller. Les bois constricteurs, il y en a un là, juste là. Ça a l'air d'aller également. Donc voilà. Donc après, voilà, je ferai toutes les recherches, je vais juste virer ça. Hop, voilà, et au niveau des défis, donc relâcher deux spécimens dans la nature. Donc voilà, peut-être que par la suite on relâchera le jeune gnou et les jeunes capucins. Parce que là, si on regarde au niveau donc espèce, donc ça c'est tous des adultes pour l'instant. On a un buffle gestante. Au niveau des gnous noirs, on a trois gestantes, déjà un petit. Au niveau des capucins, on a deux petits. Donc voilà, qui vont pas tarder d'ailleurs à être adultes. Donc faudra penser à les mettre sous contraceptif pour pas qu'ils fassent des petits par de payer 500 pour retrait éducation. Mais j'avais pas renommé les machins. Ah non. Donc là c'est pleine africaine, parce que voilà, je pense que par la suite on aura d'autres. Bon, encore un bébé gnou noir, et là donc c'est Sapa joue capucin. Hop, on va regarder ça. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner pour les nouveaux arrivants, à lâcher un petit commentaire pour signifier si la série vous plaît, ou même des conseils que vous pourriez me donner pour améliorer le zoo. Sur ce, je vous souhaite une très bonne continuation et on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Allez, salut!